Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Spec Up The Line. Et donc, reprenons là où on s'est arrêté. Qu'est-ce que c'est avec ce lieu-là? Donc ouais, ça a commencé à être vraiment vraiment la merde au niveau de qui est allié, qui est ennemi. Protéger les canons. Dans 4 jours, cette ville commencera à mourir de soif, comme Riggs le voulait. Ce sera de votre faute, Walker. Votre faute. Pas la mienne. Parce qu'on a totalement volé la flotte des gens, quoi. Mesdames et messieurs, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Stop! La fête de bon temps. Ce truc est vraiment lourd! Oui? Votre en attente, on va faire toute la semaine avec ça! Traverse. C'est ça. Continuez d'avancer. Envoie les Américains. Ah, c'est la grosse merde. Ils ont plus de flotte du tout. Hey, j'ai pas d'aide ici. J'entends parler, enfoiré. Riggs, c'est vous? Par ici. Riggs? Vous êtes où? Je vois que dalle. Oh merde. Tenez bon, je vais vous sortir de là. C'est bon, laissez tomber. Il y a plus d'eau. C'est tout ce qui compte. Merde. C'était pas censé se finir comme vous ça. Vous avez raison, votre sujet. Écoutez, si les gens découvrent ce qu'il a fait, toute la région nous déclarera la guerre et on la perdra. Mais le monde ne saura jamais. Vous êtes fou. C'est marrant. Gould a dit la même chose. Ce que j'ai fait était peut-être pas joli, mais c'était juste. En plus, c'est pas comme si j'allais me tirer de là. Alors, fais-moi plaisir, tu veux? Me laissez pas cramer. C'est un putain de fils de pute. Allez. Voilà, comme ça, c'est rapide. Ça pour voler de la flotte des pauvres gens. Ok, les militaires ils avaient pas l'air d'être très nets non plus, mais ils protégeaient quand même un petit peu certaines ressources importantes. Walker! Walker, répondez! Oui, je suis là. Merci. Le 33e s'est pointé avant qu'on vous trouve. On a dû filer. Je commençais à vous croire mort. J'ai eu de la chance. Eric? Mort. Non, c'est pas bon. Il nous a baisés. Il nous a tous baisés. Grâce à lui, tout le monde à Dubaï sera mort d'ici quelques jours. La ville doit être évacuée, et vite! J'aimerais bien savoir comment vous allez faire. Lugo? Oh, désolé. Je vous dérange? Eh merde. Bouge pas, Lugo, j'arrive tout de suite! Je lui transmettrai le message. Allez vous faire foutre. Hola, hola, hola! Surveillez votre langage, mon cher. Ceci reste une émission familiale pour tous ceux qui ont soif d'informations. Hein? À toutes les unités, au centre commercial. La Delta est dans le centre commercial. Go! Merde! Il déploie des soldats! Ok, faut aller sauver les potes. Mets-toi à couvert! Oh, c'est pas bon, Marty! Faut pas être timide. C'est entre toi et moi et quelques milliers d'auditeurs assoiffés. Et on meurt tous d'envie de savoir. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Marty va crever quand ils viendront le chercher. Ils veulent de l'eau, des sangs, des outils familiers. Tu feras quoi quand ils viendront te chercher? J'ai dit l'affaire. Oh, Marty, Marty, Marty. Ils ont Lugo. Le 33e m'a poussé. Je peux pas le rejoindre. Prends-en toi, vite. J'ai compté jusqu'à 3 maintenant. Fais-le.
Cible HS. Ah putain, j'ai pas compris que le logo il s'est baisé comme ça en fait. J'ai pas compris comme ça. Merde, j'ai failli tuer le logo. Ils sont bloqués. Bougez. Même chose ici! À tous les soldats du 33e, les figurines Delta Force sont en promo! Je répète, figurines Delta en promo dans les magasins! Faudrait déjà qu'on sorte de cet endroit! Les gars, vous voyez une issue? Bon, d'accord! Butez ces enfoirés! Passer par dessus. Il y a des peluches là-bas. Je me déplace. Ça on va garder. Oh, une question pour vous les gars. Quel a été votre plus gros mensonge jusqu'ici? On est la Delta Force. On est là pour vous sauver. C'est un grand classique. Quoi? C'est pas drôle? Sur le pont, allez! Toi, va te faire foutre! Vous avez aucune idée de ce que cet homme a dû faire, et je dis bien, a dû faire! Il a le choix! De belles paroles! Vous vous rappelez d'abord, hein? Oh, mais c'est quoi cette odeur? Oh, de la chair brûlée, je crois! Putain, si je te chope, t'es un homme mort! J'aimerais bien voir ça, mon gars! Je vais traverser! Couvrez-moi! J'en ai une arme. Je recharge. Tâchez de les retenir. Fais gaffe, descendez par des soldats viennent sur toi. Hop, on va prendre ça. C'est vachement chiant.
Allez, cette merde! Ah, il me casse les couilles! Ah mais ça niquait les yeux. Et dans la forme commerciale. Apparemment, il tenterait de sauver encore plus de gens. Oh, c'est vraiment chic de leur part. C'est bon. Et ils feront tout pour vous sauver, même s'ils doivent tous vous tuer pour ça. C'est l'occasion d'aller les remercier. Putain, j'en ai ras le cul de ce gars. C'est quoi la portée de ces émissions? Je sais pas. Ils sont où ? Attendez, je m'en charge. Non ! Merde ! J'ai besoin d'aide par ici ! Bon. Je sais pas ici, là. Vas-y, Molo, Marty. Tu voudrais pas révéler votre position. Tu voudrais pas que les autres sachent où vous êtes. En fait, la dernière chose... Que tu veux. Vous pensiez pas que je le ferais, hein? NBHS! C'est bon, Adams. Merci. En voilà encore d'autres! Putain, jamais ça s'arrête, j'espère! Non, vous me fendez le cœur, les garçons! Mais vous l'avez cherché, bande d'enfoirés! On se fait foutre de chier ici, mon cœur! C'est pas ça! Rejoignez le dernier étage! Vous pourrez utiliser la tyrolienne pour passer! Faut qu'on vienne ici! Embuscade! Attention! Vous portez d'ici!
record du monde, mais je dois ouvrir. Montez. On voit qu'il y a énormément de munitions dans cette arme. C'est fait. C'est bon. Traverse. J'y vais. Recule. Ouais, je m'imagine qu'on va regarder là-dedans. Cool. On est là. Ça va. Ça va. T'en fais pas pour ça. Vous deux, ça va? Ouais. Ça va. C'était quoi? Ça venait de derrière la porte, soyez prêts. Go! Baisse ta putain d'arme! Baisse-la! Tout de suite! Tirez pas! Je me rends! Mais c'est quoi ce bordel? J'en connais un qui veut plus jouer à la guerre. Quel est ton nom? Sergent-chef Josh Forbes. Numéro de service 658. Tu n'es pas un prisonnier de guerre. Pour autant que je sache, tu n'es même pas un soldat. Non, vous pouvez pas. Je peux faire ce que je veux. Bon. L'enfoiré de la radio. D'où est-ce qu'il émet? Le DJ. Il est bien gardé. Vous l'aurez jamais. Je m'en charge. T'inquiète. Là, en haut du Trans-Emirates Building. Lugo, une fois là-bas, tu pourrais trafiquer le système d'émission? Je vois d'ici l'évacuation géante. On va se marrer. Il y aura personne à évacuer. Et ça veut dire quoi? Réfléchissez, capitaine. On est dans le désert. Combien de temps vous croyez que ces gens vont survivre sans eau? Putain. Tout ce que le colonel voulait, c'était sauver des gens. Souvenez-vous-en. On s'en souviendra la prochaine fois qu'il voudra nous piquer. Dubaï est maintenant en sursis, messieurs. Allons-y. Yes. C'est la foule merde. Alors, qui s'occupe du DJ? Mais de quoi tu parles, toi? Il veut pas laisser sa place. Va bien falloir couper son micro. Trois soldats contre un gros cul et son iPod. Ça va, je suis pas inquiet. Faut toujours s'attendre à tout, Adams. S'adapter et gagner, mec. Ouais, et faire le nécessaire. Bon, on va où, Lugo? Au nord. Hop là, on coupe ici. Ouais, on verra ça la prochaine fois. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.